terme exact, c'est concept artist. Je ne sais pas exactement comment le traduire en français, c'est un peu compliqué, mais on est concepteur. Donc notre rôle, c'est de permettre au metteur en scène de trouver le monde dans lequel il va tourner pendant quelques mois, voire presque une année, en l'occurrence pour le Bilbo. Donc il fut un temps où il y avait moins d'effets numériques et on devait passer par des moyens plus traditionnels de rendre à l'écran l'imagerie. Mais par contre, aujourd'hui, ça va du concept que l'on fait 2 ans avant la production jusqu'à des scènes qu'on crée de toutes pièces quelques semaines avant la sortie. Donc c'est très variable. Il faut dire qu'il y a Tolkien, donc ses écrits, ses romans et ses textes, mais aussi derrière Tolkien, il y a un monde énorme qui est celui de toute la mythologie nord-européenne surtout, celtique, enfin tout ce que... vraiment un domaine très très vaste. Et Tolkien a eu le don justement de mettre ça au goût du jour dans un roman qui est très prenant, ou des romans très prenants, et de laisser en quelque sorte la place pour le lecteur dans une matière qui serait difficilement abordable autrement. Donc c'est un peu le précurseur de la fantasy moderne finalement. Une partie du travail était déjà fait, donc il était décidé assez tôt de faire en sorte que la trilogie du Hobbit fasse partie du même univers que la trilogie du Seigneur des Anneaux. Par contre, les romans sont très différents. Donc, alors que le Seigneur des Anneaux est un grand roman pour des lecteurs adultes, le Hobbit est un roman assez mince pour les enfants. Par contre, derrière ce livre pour enfants, vous voyez bien par-ci, par-là, un monde bien plus vaste que Tolkien n'a pas décrit puisqu'il faisait ses premiers pas lui-même là-dedans. Donc la logique a voulu que les deux trilogies soient cohérentes. C'est toujours très mélangé, il y a des dessins, il y a des décors qui sont presque construits à partir d'un seul croquis, il y en a d'autres qu'on a revisités multiples fois. Je crois que la maison de Beorn, par exemple, on l'a dessiné 5 ou 6 fois. Des concepts totalement différents. Chez les elfes, c'était aussi très très long à élaborer, puisque c'est compliqué. Toujours compliqué de créer un univers qui doit être la réflexion d'une culture, mais qui est aussi un élément essentiel dans le déroulement de l'action. Donc vous faites beaucoup d'aller-retour entre les exigences de la narration et les envies artistiques et culturelles. Je crois que les outils sont là pour qu'on s'en serve finalement, ils ne sont pas là pour nous maîtriser. Et si on se sent mal à l'aise par rapport aux outils qu'on utilise, c'est qu'on ne les maîtrise pas. Donc on ne devrait pas les utiliser. Puis finalement, le numérique est un moyen comme un autre qui a beaucoup de liberté, beaucoup d'avantages, mais aussi ses propres contraintes. Donc il faut apprendre tout ça. Mais c'est même à mon âge avancé, je vous jure que c'est possible. Comment dire, il faut faire. Et puis après, on apprend. C'est clair qu'on n'utilise pas des millions de possibilités qu'offre Photoshop, mais tout repose sur le dessin quand même. Donc on pourrait peut-être faire la même. Enfin, on a fait beaucoup de crayons aussi. Donc le crayon sur papier reste quand même un moyen de communication extrêmement précis, rapide. Et ensuite Photoshop, comme on devait élaborer un univers réaliste, Photoshop est tout indiqué. Je ne me suis pas encore mis au 3D, mais je vais m'y mettre. Ah, je ne sais pas, mais on a beaucoup de choses à faire encore. Hein. J'ai quelques projets que j'aimerais bien approfondir, surtout dans l'édition. Et puis on verra, pourquoi pas du cinéma, on ne sait pas. C'est un peu l'intérêt d'un métier d'indépendant, c'est qu'on ne sait pas très bien ce qu'on sera en train de faire dans 1 mois ou 2 ou dans 3 mois. Donc on espère juste trouver un peu de travail. On reçoit aussi. Merci beaucoup. Merci.